Vous savez ce que j'ai? J'ai une grippe émotionnelle. Je suis atteint presque comme Zacharie, qui a perdu sa voix pour ne pas trop parler de moi jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi j'ai demandé à l'abbé Joseph Maïsagé de prononcer cette homélie d'aujourd'hui. Mais tout cela n'est que grâce, n'est-ce pas? Voilà, nous commençons notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a une prière composée à cette occasion, l'occasion de mon jubilé de 10 ans d'épiscopat, une prière que nous allons réciter aujourd'hui, mais pas pour la dernière fois. Que cette prière vous accompagne et reprenez-la de temps en temps en pensant à moi et à ce jour. Nous récitons ensemble la prière. Dieu, pasteur éternel, c'est pour ta gloire que nous célébrons les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Guéhi que tu as fait évêque de l'Église, ta famille à Thiès. Reçois avec bonté notre action de grâce et augmente la joie missionnaire de ton peuple en marche vers le synode. Renouvelle en Monseigneur André l'esprit de l'Évangile. Esprit de prudence et d'audace, esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien conduire le troupeau que tu lui as confié. Accorde à tous les diocésains de Thiès, avec le secours de la Vierge Marie et de Sainte Anne, la grâce de rayonner sous sa conduite comme un signe éclatant du salut en Jésus-Christ, ton Fils, lumière et vie, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais succinctement exprimer le sentiment qui nous anime en ce jour d'action de grâce. Notre présence ici ce matin est avant tout pour rendre à Dieu toute grâce reçue. En effet, le ministère épiscopal est un don de Dieu à l'Église, à l'humanité et au pasteur lui-même, appelé à servir le peuple de Dieu. Excellence, vous êtes d'abord un don pour vous-même, un don pour l'Église, le corps du Christ est un don pour l'humanité. Que notre Eucharistie de ce matin soit donc un merci fervent à Dieu notre Père pour ce don. Merci aussi à vous, Excellence Monseigneur André Guéhi, pour ce que vous êtes pour le peuple de Dieu qui vous est confié, pour ce que vous êtes pour nous dans la conférence épiscopale Sénégal-Mauritanie-Guinée-Bissau-Cap-Vert et bien évidemment dans la province ecclésiastique de Dakar. Je ne suis certainement pas le mieux indiqué pour vous exprimer notre gratitude et notre communion fraternelle et synodale. Mais les distances et les engagements des uns et des autres sont les raisons de leur absence physique en ce moment. Cependant, nous tous, nous vous portons dans notre cœur et notre prière. En leur nom à tous,
ad multos annos. Heureux jubilé, Monseigneur André, et que Dieu vous accorde santé, sagesse et sainteté pour toujours mieux le servir et pour le bien de son peuple. Merci à Monseigneur Martin Boucartine qui a pris la parole au nom des évêques de la conférence épiscopale, mais plus particulièrement de ceux du Sénégal. Merci, Monseigneur, pour vos vœux, votre prière pour moi. Santé, sagesse, sainteté. Recueillons-nous et demandons au Seigneur d'accueillir notre prière. Mbokayi, mangi len di nuyu. Yen ñep ñi fi téw ak ñep ñi ñuy déglu bok ci ñaan bi ci mess bi lé jaaré ko ci xaralé joko yi réseaux sociaux yi lu waral ndaje bu tedd bi lé du lenen lu dul sante yalla gërëm ko ci baxayam deugala mën nañu wax né danuy sargal monseigneur deugala wayé ci sargal bi dañ koy ñaanal ñaanal ko dagan yeurmande yalla mi ma tek kilifté suñu diocèse ma jité njobotam ñaanal ma ngir ma gën diko saxal saxal njobotam ci ngëm gi ma gën di suxali yakaram gën diko bolé ci ciofel moy suma liggéey ñaanal mo seigneur moy dënk ma yermandé yalla ngir ma gëna takku ci suma warugar ngir ma gëna takku ci suma warugar ngir ma gën ci woné ci warté woné ci xarañ ak yewen baña faté mukk soufélu soufélu niki krista xamné njit dafa wara doon surga moy limay ñanté wa mbokay ñanal len ma doli len ma ñaan ngir ma gëna uyo ki ma doon ngir suma dund gëna melax selay yiwu krista bi di dund gi ak leer gi na leeram dak bepp lendeum ci suma xol lendeum bakar metadi ak ñak metali namu waré lima yalla tegg li mbotayu jangu bi di yakar ci man li sunu njobotu jo 16 sentu ci man ci diru fukki at yile. Chers frères et sœurs dans la foi, chers diocésains de Thiès, amis et connaissances venus des autres diocèses, amis et connaissances musulmans, je vous souhaite la bienvenue avec une immense gratitude envers vous tous. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de vous saluer nommément. Un jubilé, cela a été dit, c'est bien sûr la fête. Nous sommes en fête. Une fête sous le sceau de la joie spirituelle, celle que suscite l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et qui nous pousse à l'action de grâce à Dieu, source de toute bénédiction et de toute grâce. Et aujourd'hui en particulier, de la grâce de mon épiscopat. Depuis lors, 10 ans, que le nom du Seigneur soit béni à tout jamais. Rendant grâce à Dieu avec moi, je vous demande de prier pour que je fructifie encore et que je ne rende vaine aucune grâce de la part du Seigneur. Je vous demande de supplier pour moi
la miséricorde de Dieu pour que je me hisse sans cesse dans la conversion et dans l'effort à la hauteur de ma mission. Je vous demande d'invoquer sur moi le pardon du Seigneur pour toutes mes imperfections, pour toutes mes faiblesses et mes péchés. Je vous demande enfin, frères et sœurs, d'implorer ses dons pour son serviteur que je suis. Le don de l'humilité, celui de la joie et celui de la sainteté. Que le très bon et le tout-puissant comble aussi vos attentes en cette année 2024 par la grâce de cette messe que nous ouvrons en implorant sa miséricorde et en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu tout-puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pasteur éternel des fidèles, tu guides ton Église par une généreuse sollicitude et tu la diriges avec amour. Nous t'en prions. Accorde à ton serviteur que je suis, que tu as placé à la tête de ton peuple, de conduire en vrai représentant du Christ le troupeau dont il est le pasteur. Qu'il soit pour lui le maître fidèle dans la doctrine, le prêtre qui célèbre le culte divin et le ministre qui le gouverne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et les prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Sabata irichi sumbaino fune sasume bagalba magidego megna Salami apporteur bindu wa kolos mbokay yi negem yena di ñu sel ñi yalla tan te sop len na ngeen am xol bu fess ak yormande ba xay soufelu le way ak muñ muñalante len te balante su ngeen jotté jeuf leen ni borom bi bal na leen
def len ni mom ci kaw lepp nak na ci ofel am ndax te moy def de gogu met te na jamu krista bi dekk ci seni xol ngir jam joju lañu len wowe be ngeen bok ak mom wenn yaram deke len di geureum yalla na batu krista bi dekk ci yeen ak dolem gep na ku nek ci yeen di jemantal te di yedd moromam ak sago su met way len yalla ci seni xol ak ay som ay bak ak ay tiante yu sel ngir geureum ko té lepp lu ngén di wax lepp lu ngén di def na doon sa su nek ci turu borom bi Yesu Krista ci mom ngén di jaar ngir djébal sen ngeureum yalla bay bi baatu borom bi Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »
ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bajanta bidi fenka beba muso naulenturu borombi. Chrétien yi sumay mbok nañu bayyi lewansil biñu yene sank leral suñu jotay ñun ñi dajé filé ngir gëreum yalla bu baax ci fukk at yu mu dagal monseigneur André Gueye jité diocèse Thiès ñu joggé ci paroisse diocèse bi yépp ngir sant yalla ci lepp li muñu defal jaarole ko ci loxo monseigneur André pass passam ciawartem sedem bu rafet bi mu sédé ci sunu digënté niki bay bu soppi i domam. Chers frères et sœurs, laissons l'évangile que nous venons de proclamer éclairer notre élan d'action de grâce pour les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye à la tête du diocèse de Thiès. À Dieu nous disons notre merci du cœur pour tous les bienfaits reçus sous son magistère. Et nous espérons qu'il se poursuivra longtemps. Ñetti xalaat la ma lewansil bi feñal bu ci jitu nek ñaan bi ndeyu Jacques ak Jean saña ñaan Yesu ngiri domam ba ca top di tontu bi len Yesu tontu ñettel bi di jémantalé bi Yesu Christa ci bopam jox fukki apôtre yi ci lu jëm ci soufélu ak bëkkeneegu sen morom. Je voudrais ici vous partager 3 méditations que cet évangile m'a inspirées. La première concerne l'attitude et la demande faites à Jésus par la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. La seconde porte sur la réponse que Jésus leur donne. La troisième sur l'enseignement que Jésus livre aux 12 apôtres indignés à cause du comportement de Jacques et de Jean. Chrétien yi sumay mbok taxawayu ndey ji di ñaanal i domam Jacques ak Jean la di ñëkke xolam moko jité ak ciofel bi mu am ci ñoom mu gis lu bax te yene len ko. Dégg na Yesu di yeugal choonom
deyam ak dekkalikom donde sax xamul li kaddu yi le tekki waye xalat na ne legi yesu ag ci ndamam te sanchu nguram mu bëgg nak idomam Jacques ak Jean am ci wal xamna ne su yesu dogale rek lolou dina am li ndey jile def ana banday ako saña dan ndey day ñaanal domam yene ko lepp lu bax dimbole ko ak dolem gep ak ipexem be mu ag fi mu wara ag loloy taxaway ndey yene ndey jile rafetna lol waye mengowul ak li yesu krista di sedd du ndam ak nguru aduna bi moko taxa dik ci sunu digante waye ngour ak ndam yiko yalla bay jaglel gannaaw bu mu nango maye bakanam ngir sunu muccu ndamam ak nguram duñu dara lul muccu mi mu yene ñi mu sop be fa ciofel yem mbokk yi lan adi sunu yene tay jile ngir mo seigneur André Gueye bëgg na légui waxtaan ak ku nekk ci ñun ku ci nekk ma laaj ko lan modi sa yene ngir mo seigneur André Gueye tay ji na ku nekk def be yene mengo ak li Yesu Krista bëgg ci mom té lolu su amé ñaan yi yépp nangu bien-aimé en Christ n'est-elle pas charmante cette mère qui intercède pour ses enfants Jacques et Jean les fils de Zébédée Salomé car c'est ainsi qu'elle se nomme veut le meilleur pour eux. Elle leur souhaite le succès aux côtés de Jésus, dont elle pressent l'heure de gloire si proche. Avec toute la force de son amour maternel, elle s'approche de Jésus. Mais elle ne comprend pas ce qu'il a voulu dire en annonçant sa mort et sa résurrection. Pas plus que ses fils du reste. Ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. À quel royaume pense-t-elle? Certainement au royaume terrestre que Jésus a décrit un peu plus loin dans l'Évangile, où les plus grands font sentir leur pouvoir. Nous le savons maintenant, c'est tout le contraire du projet de Jésus. Jacques et Jean le comprendront plus tard. Mais qui peut condamner cette mère qui prie pour ses fils? En le faisant, il ne comprendrait rien à ce qui fait mouvoir le cœur d'une mère qui espère le meilleur pour ses enfants. Puisqu'il s'agit de souhaits, quels sont les nôtres pour Monseigneur André Gueye? Ayons à cœur qu'il soit conforme au dessein de Jésus et nous serons certains que nos prières pour lui seront exaucées. C'est ce dessein que Jésus va révéler, en particulier aux apôtres, dans la suite de l'Évangile et à nous-mêmes. Kétiani soumay mbok ba yesu dege ñaanu ndeyu Jacques ak Jean tontu na ci mu xamal len ne xamuñu lan la luñuy ñaan tekki mu laaj Jacques ak sang ndax mënu nañu naan kaas bi mo naani ñu tontu ko waaw
mo bi kas lu mu don xana mi sal bi di firndal fa yesu dan jele dole dundam digante mak yalla ak mission bi mu ko denk ndax musal aduna si kas bu fess ak tiofel ak choono yu andak mom ndege xamnañu ko amul tiofel bu sut maye sa bakkan ngir ñi nga sop kas bi le di firndel li nguuram tekki te ku ci nango naan rek mo ci am wal doyu rek nga nek ci ndey joram wala ci chamuñam nanu fatali ñaari say say ñu dajoon ci wetu yesu ci golgota kenn rek ci ñoom anangu sédé ñu bayu yesu lolo tax yesu sedd ko wal ci nguuram mu ne ko tay jilé sax sax di nga nek ak man ci suma nguur nangu naan ci kaas bilé modi nangu melni mom gëm ci mom dundak mom nangu naan ci kaas bilé modi dundé tiofel ni mom nonu rek lañu mëna def be yalla bay cëreul ñu ci wétam chrétien yi sumay mbokk lu woor ba woor modi Jacques ak Jean nan nañu kaas bilé ba mu jeex té jémantal nañu ñi leen di outu ñu roy ci ñom nek apporteur du lu yomb nekit monseigneur du lu yomb kenn du jang don monseigneur be mokal dañu koy nangu ni ñuy nango kaas bi yesu di joxe gannaaw buñu ko wolo te yaakar ci mom chers frères et sœurs. Dans le second temps de notre méditation, je tiens à souligner combien est énigmatique pour nous la réponse que Jésus donne à Salomé et à ses deux fils. La coupe dont il parle, n'est-ce pas la source à laquelle il s'abreuve lui-même pour faire de sa vie une vie toute donnée aux foules qui le suivaient, aux pauvres et aux petits ? N'est-elle pas la croix sur laquelle il a manifesté son amour, son grand amour pour tous les hommes de tous les temps? Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette coupe n'est-elle pas la récompense promise aux serviteurs fidèles qui persévèrent jusqu'au bout? Jésus le sait. Jacques et Jean le sauront. Ils boiront à cette coupe désormais, source du sens de leur vie et de celle de tous ceux qui leur succéderont. Quelle est belle la vocation d'apôtre! Quelle est belle également la vocation d'évêque! Personne ne s'y prépare comme à l'école. On la reçoit comme on reçoit une coupe de la part du Seigneur à qui on fait confiance. En elle, tout le sens d'une vie toute donnée aux autres. Boira celui qui a bu, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chrétien yi sumay mbokk ba fukki apporter yi déggé li Salomé bëggalon idomam ñu jéppi Jean ak Jacques ñu ñort né ñom ño sante sen yaay mu ñaanal leen ndax ñu jitu ci apporter yi li ñu sépp sen bop metti leen lool Yesu wo leen ñom ñepp te yedd leen mu xamal leen né
waruñu tabbi ci firu bëgg nguur ak reey reelu waye ciofel ak soufelu ak bëkk neegu sa morom ño wara nek ci sen digënté ci walla wilé lañu wara roy ci mom ndégé mom mi di doomu nit ki dafa dik ci aduna ngir doon bëkk neegu ñepp té mayay dundam ngir sen muccu Yesu adi bëkk neegu jitu bi té woné nako ci al-khamis ju sellaja gannaaw ba mu nango raxs i tanki talibem nangu do doon bëkk neeg modi nga soufel sa bop nga baña jital sa banexu bop nga da banexu sa morom nangu doon bëkk neeg modi nga dimbali sa morom mudi sa non sax bëkk neegu modi ki xam li autorité tekki deug way way autorité du doole xel bi tax ba nga mom sa bop te ñi la jégué mom sen bop itam su fekke ne amna li sunu aduna si soxla lolo di nit ñu nangu bëkk neegu sen morom ci fann yu bari yaakaruñu fenen lolu feñ lul ci ñun ñi di talibé Yesu Krista liñu war nak modi ñu doon i bëkk neegu sen morom law ci sunu biir ak ci biti ku ci ñetti ku ci nekk ci ñun don mandarga rawatina monseigneur modi bëkk neegu ñëpp nitu defal yalla yalla tan nako ndax mu doon ki di jémantal mbotayam té jémantalé bi nekk ci wax ak ci jëf yalla tan nako ngir mu ginni mbotayam su jito xal yon wi su nekké ci ginaaw sam ñepp yalla tan nako ngir mu selal mbotayam ci pexé sakarman yi ku ci nekk ci ñun wara nangu ak xol bu soufelu chers frères et sœurs Lorsque Jésus appelle les 10 apôtres indignés à cause du comportement de Jacques et de Jean, qu'ils soupçonnent vouloir occuper la première place auprès de Jésus, il leur parle sans détour. Entre eux, il ne doit pas y avoir de guerre de positionnement et de pouvoir, mais seulement la paix dans l'humilité et le service. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Pour avoir part à son royaume, il faut reconsidérer la manière d'y parvenir. Le chemin est celui du service. Et Jésus est le premier à l'avoir emprunté. Il dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » et donner sa vie en rançon pour la multitude. À sa suite, viendront les apôtres et leurs successeurs avec comme mission principale d'être des serviteurs. Point besoin de dire aussi combien notre monde d'aujourd'hui a besoin de découvrir la valeur du service, surtout celui gratuit. Le service fait par amour, pour que l'autre retrouve sa dignité et sa joie. Il a également besoin de découvrir que la véritable autorité est service et que le vrai pouvoir, c'est se mettre au service des autres. Notre monde a besoin
que nos communautés chrétiennes fassent signe, avec à leur tête leur pasteur. L'épiscopat n'est pas seulement honneur, il est essentiellement service à la suite du plus grand serviteur, Jésus. L'esprit de service est comme le sang qui irrigue sa triple fonction d'enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de Dieu. Sans cet esprit, le peuple ne vit pas. Sans cet esprit, le peuple ne grandit pas. En célébrant aujourd'hui les 10 ans d'épiscopat de Mgr André Gueye, nous prions pour qu'il soit toujours au milieu de nous le signe du serviteur. Que le Seigneur qui l'a accompagné à sa suite lui partage la coupe toute pleine, remplie, à laquelle il s'abreuve pour qu'il assure dignement la charge épiscopale. Prions également pour nous-mêmes, Église famille de Dieu qui est à Thiès, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de rayonner sous sa conduite comme un signe éclatant du salut en Jésus-Christ, lumière et vie, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. À l'instar du Christ, nous sommes tous au service les uns des autres. Prions-le pour que nous demeurions fidèles à ce service ici-bas jusque dans la vie éternelle. Catholique pour celle vie ak njitam babbi monseigneur yi l'abbaye ak ñepp ñi leen di jappelé ndax ci ndimbalu xel mu sel mi ñu wéy ci sédé batu yalla ci suñu jamono jitay borom bi nangul suñu ñaan. Et la lumière. Prions pour notre Père évêque, Mgr André Gueye. Puisse-t-il, sous la conduite de l'Esprit Saint et le secours de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Morlaix et de Sainte-Anne, proclamer la vie, enseigner pour une vie de lumière et sanctifier pour la gloire du royaume. Qu'il soit armé de courage pour conduire joyeusement le peuple de Dieu qui lui est confié. Qu'il soit comblé de tes bénédictions et de tes bienfaits pour une mission féconde. Dieu d'amour, exauce-nous.
daigne Seigneur, jeter un regard de bonté et de miséricorde sur notre monde qui ploie sous le fardeau de la souffrance. Assiste et réconforte les malades, les personnes âgées, les prisonniers, les migrants, les exilés. Sois pour eux un refuge à l'ombre de tes grands bras. Dieu de bonté, écoute-nous. Prions pour l'unité des chrétiens du monde. Seigneur, accorde aux chrétiens du monde la grâce de vivre de ton amour dans le dialogue et l'écoute. Seigneur, nous te prions. Nous ñaanal suñu jossésu ties nako yalla taxaw na gandal fu sori seytane ak ay pehem nako tek ci yoonu selay te mu doon mandal gu ciofel jam jubay ak sédé ci biir aduna ci borom bi nangul suñu ñaan Chacune de nous, chacun de nous est venu avec des intentions de prière. Que le Seigneur accorde à chacun, à chacune, ce qu'il désire. Seigneur Tout-Puissant, toi qui te tiens au milieu des fidèles réunis en ton nom, exauce en ta grande bonté la prière de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
louons encore le Seigneur. Seigneur, par la force du mystère que nous avons célébré, multiplie les dons de ta grâce en ton serviteur que je suis, que je m'acquitte de mon ministère pastoral d'une manière digne de toi et que je reçoive dans l'éternité la récompense promise aux intendants fidèles. Par le Christ, notre Seigneur. Amna laaj bu don djib biñu tambalé di xumbal jubilé bilé laaj bi modi waw lutax ngeen di xumbal fukki at yima seigneur andé gay nek ci diocèse thiès mënulén won xaar ñaar fukki at ak jiroom tontu ci laaj bobu yombna tontu bi jitu modi dund lo fekke niko abbé théodore msek don waxé yombul ab monseigneur def ñaar fukki at ak jiroom ci bop diocèse kon bok nañu dund liñu fekke té magal bës bi ndégé may yalla la ñaarelu tontu bi modi dugulet ñuy xumbal fukki at ba monseigneur nekké ci kaw diocèse ñi gëna mag ñu ngi fateli ku né xumbalon nañu fukki at yi monseigneur Jacques Sarr défon ci bop diocèse Thiès ci atum 1997 ñettelu tontu bi modi ku gëm yalla dafa wara tagat bopam ci fête ci noce ci xumb ndégé aljana bërebu fête la ay ku tamul la fête fi ci aduna si so démé aljana di nga xayadi ni ko xalé yi di waxé frères et sœurs pourquoi fêter ces 10 ans en fait ce jubilé est un kairos, c'est-à-dire un moment favorable pour d'abord traduire notre affection et notre reconnaissance à Monseigneur André Gueye. Ensuite, renforcer la communion diocésaine, consolider la participation de tous et donner une impulsion à la mission de l'Église. Enfin, il est un temps préparatoire au synode diocésain que nous allons célébrer le 4 février prochain. Merci à vous, Monseigneur André Gueye, d'avoir accepté humblement et encouragé cette initiative du jubilé. Elle ne vient pas de vous, mais vous l'avez encouragée et acceptée. Merci d'avoir répondu à l'appel du Christ en disant oui dans l'épiscopat. Depuis que vous êtes à la tête du diocèse de Thiès, vous avez fait montre de grandes qualités humaines, spirituelles, intellectuelles et morales. Et cela vous a permis, avec la grâce de Dieu, de donner une impulsion à plusieurs réalisations, aussi bien spirituelles, si tant est qu'on puisse les mesurer, pastorales et sociales. La plaquette que nous vendons à cette occasion rencontre de manière exhaustive de ces réalisations. Frères et sœurs, si vous voulez en connaître plus par rapport au parcours de Monseigneur André Gueye, par rapport à la signification des insignes de l'évêque et par rapport aux réalisations au cours de ces 10 années, eh bien, achetez la plaquette au prix de 2500 francs. Je voudrais me féliciter de l'accueil favorable et de la grande mobilisation des diocésains à ce jubilé. Frères et sœurs, merci d'avoir accueilli ce projet. La préparation dans les paroisses, les mouvements, les associations, les services diocésains
et la présence massive de ses fidèles en ce jour en disent long sur l'affection que les diocésains vous portent, Excellence. Chers diocésains, je vous exprime ma profonde gratitude pour vos prières, vos conseils avisés et vos contributions multiformes. Votre communion et votre générosité se sont manifestées de fort belle manière et cela est de bon augure pour le synode diocésain. Une reconnaissance particulière à tous les membres du comité d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied depuis le mois de novembre 2022 pour que cette année jubilaire connaisse un succès. Il me plaît de citer les présidents et les membres des commissions administration, finances et ventes, liturgie, organisation, commission scientifique et culturelle, ainsi que la commission communication. Merci à vous, chers prêtres, chers religieux, religieuses, pour votre présence, pour vos prières, pour votre engagement et les campagnes de sensibilisation que vous avez menées pour que les membres de vos paroisses et communautés et les personnes de bonne volonté puissent contribuer. Par ailleurs, frères et sœurs, je vous invite, ceux qui n'ont pas encore le tissu du jubilé, à l'acquérir, parce que nous voudrions le porter au pèlerinage diocésain de Morolan pour continuer notre action de grâce autour de Mgr André Gueye. Ñi amagul piece bi ñu ngi leen di o ñu jënd ko ndégé dañ ko bëgg sol ci pèlerinage diocésain au Morolan ngir wëyel suñu gërëm Yalla ak Mgr André Gueye. Comme vous le savez, ce jubilé avait également comme objectif de financer deux projets chers à Mgr André Gueye. Le projet de la salle polyvalente pour la communauté chrétienne de Ngoye Djolof et le projet d'un appareil de dialyse pour l'hôpital Saint-Jean de Dieu. Alors nous continuons la sensibilisation. Toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient contribuer ou nous mettre en relation avec des entreprises ou des mécènes pour concrétiser ces projets sont les bienvenus. Donc je lance un appel, la contribution et la mobilisation continue pour que nous puissions matérialiser ces deux projets chers à Mgr André Gueye. Que le Seigneur bénisse notre journée, qu'il rende fructueux le travail de nos mains, qu'il rende au centuple tous les efforts consentis, qu'il continue d'assister Mgr André Gueye et qu'il nous garde dans sa paix.
Vous alliez me comprendre si je versais quelques larmes aujourd'hui. Mais c'est déjà fait. Ceux qui ont été attentifs les ont vus. Parce que vraiment, mon cœur est dans la joie. Ce mon rôle, c'est de ne. Ce mon rôle, c'est de ne. L'olore que la Bougonoua. Qu'est-ce qu'ils sont successifs? Dis pas qu'il y a. Cher diocésain de Thiès, j'en suis convaincu depuis longtemps. Je suis dans vos cœurs. Et vous êtes dans mon cœur. Et nous sommes tous ensemble dans le cœur de Dieu. C'est cela, la communion. Mangi ci sen xol, yena ngi ci suma xol, li lay doyna ci xofel. Moy yonu jangou bi ci ties andando manko benno bok ci liguey bi modi sunu bak and bok tew joxe ngir sunu ciosse jëm kanam ngir jangou ties motax mbok yi ni ngeen ko xamé ma woté de du man sax nu wote synode moy waxtan bu yaatu synode ngir yaatal diso so tanti xalat and deglu liñu xel musalami hir gestu fi mu nu joxogn and deglu ku nek sa morom ndax
gëna nek ciobot gëna jëm kanam ci liggéey bi gëna sax ci ngëm ki ak ci ciofel gëna melax c'est lay yu batissé bi yiwu batissé bi ci sunu xol lolu moy jëriñ biñuy sentu ci synode bi ñu gëna melax c'est lay yu doomu yalla biñu ji ci sunu xol dalé ko sunu bëssu batissé. Oui, ce jubilé, cela a été dit, est une étape inaugurale de notre synode diocésain. Nous sommes déjà aujourd'hui même en synode. Même si la célébration d'ouverture aura lieu ce 4 février. Et j'attends, s'il vous plaît, toutes les délégations des diocèses, tous ceux et celles qui seront désignés, qu'ils viennent ensemble pour que nous sentions ensemble, famille de Dieu, unis dans les liens du baptême. Je donne donc rendez-vous aux délégués des paroisses et aux structures, à ceux des structures et des services. Frères et sœurs, je ne serai pas plus long que cela. Merci pour les cadeaux. C'est vrai, réaliser la salle polyvalente de Goye Djolof et offrir à Saint-Jean de Dieu une unité de dialyse, ce n'est pas une mince affaire, mais rien d'impossible à celui qui croit. Nous allons nous battre, nous allons continuer à faire montre de solidarité pour la réalisation de ces projets pour les autres, pour ceux qui sont à la périphérie, pour ceux qui ne connaissent pas Ngoye Djolof, c'est derrière Touba, les chrétiens à la périphérie. Nous pensons à eux et nous pensons aussi à tous les malades qui font le rang pour se faire soigner. On a parlé de dialyse à disposition, soulagera beaucoup de malades. Nous le souhaitons à ces malades avec la grâce de Dieu. Febar Djombulken, qu'on a eu Djok, on est solidarité, ndax oyofal choono ni febar. Je compte donc sur votre générosité et sur, bien sûr, l'appui de la providence divine. Je vous donne rendez-vous pour les 25 ans, n'est-ce pas? Abeteo, il est où? Pour les 25 ans, avec la grâce de celui qui donne la santé, le maître de la mission. Bonne journée. Et continuons notre célébration fraternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté. Et tu les gouvernes avec amour, avec l'esprit de sagesse, à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église, que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Toi qui diriges nos vies par ta grande puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre temps ta paix en plénitude par le Christ notre Seigneur. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as élevé à la charge d'évêque, donne-moi de rester ton humble serviteur. Donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Suscite un même amour au cœur du peuple et de son guide, pour que le troupeau ne manque jamais d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau par Jésus le Christ notre Seigneur. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Amen.